Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouveau concept dans la street avec. Alors je vous explique très rapidement, on va se balader dans la street avec un artiste histoire de rendre hommage au quartier dans lequel il a grandi. À la fin de la vidéo, je lui offrirai un petit cadeau. C'est une canette designée aux couleurs de son quartier. C'est l'Oasis Street Can. Pourquoi Oasis? Tout simplement parce que c'est une des boissons phares de la street. On en boit tous après le foot. Petite canette d'Oasis Tropical avec ton chicken. Aujourd'hui, je suis à Evry, c'est dans la street avec Kobalade. C'est parti. Koba. Mon gros. Bien quoi mon gars? Bien mon gros. Cool. Tranquillement. Là je reviens un an après le Wesh. Yeah. À l'époque c'était focus sur toi. Ouais. Maintenant moi, je vais en apprendre un peu plus sur Bad 7, sur ton quartier. On en entend beaucoup parler. On va monter au 10e étage. C'est là-bas où tout se passe. Tout se passe mon frère. Bah regarde, moi j'ai 3 points aujourd'hui. Yeah. Moi je veux que tu m'emmènes là où ça transpire le plus, là où ça vanne le plus et là où je peux aller chercher ma drive. C'est bon ou pas? On y va? On commence par quoi? Là où ça transpire le plus? On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est trop beau la vida? Et je paye tout avec une pub. Et dire que j'ai vu ce qu'il peut, j'étais à deux doigts, prendre des années de terre, mais maintenant elle veut tout faire avec moi. Sans demander mon avis. C'est là, ça joue au ballon. Hein. Bon, moi je joue pas, moi, tu connais. T'as arrêté. Celui-là, c'est un nouveau City, ça. Ah, c'est un nouveau celui-là? C'est un nouveau. Avant, je jouais à l'école. T'as capté? T'es fou, mon daron, il venait me voir, il était choqué quand je mettais des coups francs. Voilà. Toi tu mettais des coups francs? Mais attends, tu vas voir. On va aller du sel, si Fuco de la paix. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on a pas. Là c'est l'âge d'or là pour le 9-1 là. C'est la fête là. On est en train de tout. On rigole tout seul frère. C'est une dinguerie hein. Ouais là on rigole tout seul. C'est arrivé d'un coup. Ça a choqué tout le monde mon pote. Ça justement comment tu le dis au niveau de ton ego? Est-ce que t'as pris la grosse tête? Hey, je me dis qu'il n'y a rien, je me dis que du jour au lendemain tout peut arriver. Tout peut s'arrêter. T'as capté? Ça veut dire que je m'accroche pas trop à cette vie-là. J'en profite, mais je m'accroche pas. Bon, là t'es prêt ou quoi? Ouais, là je suis prêt. On part sur un crossbar challenge. Ce que je t'ai pas dit, c'est quoi? On va mettre des combinaisons. Là on a tout ramené. Paintball. Vas-y. Celui qui perd, ça veut dire là par exemple si toi tu mets la barre. Je t'allume. Tu récupères le paintball, paf, t'allumes. Vas-y. Et on arrête de jouer. Et on arrête de jouer. Vas-y. Mais si moi je mets la barre. Vas-y. Je récupère. À moi, tu as du milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain. Vas-y. C'est bon, t'es joué. On fait les combis. On va s'équiper. Je t'avoue, j'ai un peu la pression. Parce que j'ai vu le truc là, le bail là, le paintball là. Je dirais quand ça tire, c'est costaud. Hein. Là, ça y est, on est prêt. Voilà, on est prêt. Là, l'artillerie, elle est là. Elle est là. Le ballon, il est là. C'est une bille. Une bille chacun. Une bille chacun. C'est bon. Oh voilà. Oh voilà. Voilà, je vais t'allumer le. Voilà. C'est léger, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Là, je la mets là. Parce que quand je vais prendre ça là, et que je vais lui dire donne-moi ton. Pow, pow. Vas-y, tiens. Je t'ai pas touché. Non, je t'ai pas touché. C'est bon là. Non, on a dit une bille, on a dit une bille. Attends, donne le paintball vite fait. Il faut les malins. C'est comment, Coco? Toi. Toi, arrête de coller d'op, toi. Voilà, voilà, arrête de. Voilà, arrête de coller d'op. Voilà, voilà, arrête de coller d'op. C'est trop bien les paintballs. On peut poser le bail. Tenez-vous ce café. Ah, faut lui enlever ce truc directement des mains. Voilà, il a mis mes deux là, moi aussi je l'ai mis. J'avais la barre. Petite frappe pied gauche. Une bille, t'as vu, j'ai respecté ou pas? Voilà, j'ai respecté. Dit une bille. Tu vois, si tu m'aurais allumé et après je l'aurais eu dans les mains. Oh, je t'aurais fait. Ah, je sais, ben, je sais, c'est pour ça que j'ai respecté. Voilà, je t'aurais fait tarder. Maintenant qu'on a transpiré. On a tapé le ballon, est-ce que tu m'emmènerais pas là où ça va bien le moi, plus? Bien moi, tu vas voir. En plus là on a bien joué là. Là, on va voir s'il y a les grands vanneurs de la cité. C'est là-bas la sortie. Vas-y. Ah mais, vu on fait genre on enlève nos combis. Je suis dans la boîte à dents, t'es ma mes putain de jambes. Je suis dans la boîte à dents, couverture papillon. Je suis dans la boîte à dents, bébé je sais que t'adores. Je suis dans la boîte à dents, bébé je sais que t'adores. Ouais. Là, y'a mon gars Coco Cocorico. Putain, ça dit quoi Coco? T'as bien mon frère?
Ça, c'est le Zincou. Hein? Ça va encore, mon gars. Comment oui. Mon frère? Oui. T'as vu, mon frère? Oui. Là, c'est QLF, là. T'as capté ou pas? Shugi, Shugi, Tchad. Ça dit quoi? Ça va quoi? Cool, mon gars. Et cool. Toi, 17. C'est qui le plus gros vanneur ici? Il fait le malin, lui. Toi, tu vannes beaucoup. Hein? Lui, il fait le malin. Si, toi, je te vois dans les stories, tout ça. Dans les snaps, tout ça, il vanne à la mort. Il fait le malin. Lui, il fait le malin. Donc là, on est au fameux bâtiment 7. Bâtiment 7, frère. C'est là où tout a commencé. On a tous commencé ici, frère. À l'ancienne, on se posait au dernier. Mafia Spartiate, moi, Bolé, Kusti, Chotas, Caflo. Tous. Mes autres potes aussi. Voilà, on écrivait tous des textes, on grattait avec une bonne baffe. Voilà, on grattait sa mère. Toi, tu reviens souvent ici? Je suis tout le temps là, moi. Ah ouais? Pas, je reviens, je pars pas, je suis là. T'es toujours là, t'habites toujours là, ici. Moi, voilà. Après, tu connais, il y a plus de showcase, plus de concerts, plus de promos. Mais en vrai de vrai, voilà, on ne quitte pas la cité, moi. Ok. On quitte pas. Est-ce que là, tu peux m'emmener là où je peux aller chercher ma graine? Ouais. Vas-y, on y va. Yeah. C'est ici, mon gars. L'épicerie de la cité, hein. C'est là où tu te ravitailles, boisson et tout le tralala, mon pote. C'est là où je viens tout chercher. Il y a tout ici. Ok, bon, avant de rentrer à l'intérieur, je te remets ton cadeau. Ouais. Canette spéciale, Evry, Kobalade, Bat 7. Les gars, on est respectés dans le game. Voilà. Parce que quand je vais la suffoquer, cette canette là. Bon, t'es content ou quoi? Voilà, ça fait plaisir de fou. Maintenant, ça, c'est ton cadeau à toi. Mais là, ce qu'il faut préciser aux gens, ouais, c'est qu'on va leur donner rendez-vous. Regardez là, tout s'affiche là. Heure, lieu, adresse, tout. Il faudra être au rendez-vous, ils vont venir chercher leur canette. Il y aura un live avec Koba, il sera là et il va vous remettre vos canettes à vous aussi. Oasis, Evry, Koba, Bat 7. Voilà, là, y a donc Koba, tu seras là ou quoi? Je serai là, mon gars. On sera tous là, il y aura tout le set, on sera tous ici. À bientôt l'équipe.